Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ben, ce sera une vidéo. Attendez, je me mets bien. Ce sera une vidéo à ma collection DVD Blu-ray. Là, c'est la première partie. Alors, mais du coup, moi, ben, je vais en faire plusieurs. Vous savez, là, moi, ben, c'est que des films que je vais vous présenter que j'ai pas vus. Alors, du coup, ben, on va y aller sans plus tarder. Alors là, on enchaîne avec un Disney, classique, c'est Wolf, Star malgré lui, que j'ai toujours pas vu. Super Hero Movie, que j'ai trouvé dans un cache, que j'ai toujours pas vu. Le coffret spécial Les aventures des Pokémon, que j'ai toujours pas vu. Alors là, c'est tous les trois Pokémon, hein, je vous montre. Voilà. Un film de Steven Seagal, c'est Roulette russe, que j'ai toujours pas vu. Toujours un film de Steven Seagal, c'est Guérilla urbaine, que j'ai toujours pas vu. Steven Seagal, Vengeance est mienne, toujours pas vu. Un film d'horreur cultissime, c'est Hellraiser 3. C'est que j'avais la VHS et je regardais ça quand j'étais petite. Du coup, ben, je l'ai en DVD. Un film d'horreur, c'est Les Geôles du Diable, que j'ai toujours pas vu. Un film d'horreur, c'est L'île étrange, de épisode 1 à 4 et 5 à 9. On va dire un film catastrophe ou un film d'horreur, je peux. Ah ben non, on va dire un film catastrophe. C'est La croisière de la peur, que j'ai toujours pas vu. Ah, un film d'horreur que j'ai vu mais que je vais le revoir, c'est The Devil Chair. En fait, ce film raconte qu'il y a un jeune couple qui vont dans un hôpital psychiatrique abandonné. Et sa copine, elle va sur la chaise, elle s'assoit sur la chaise. Mais en fait, elle s'assoit dessus. Et il y a la chaise, il y a le dossier de chaise qui l'aspire. Et du coup, son copain, il va retourner à l'hôpital psychiatrique avec ses amis pour essayer de trouver sa copine ou je sais plus trop quoi. Et du coup, il y a un des jeunes qui s'assoit sur la chaise, ils sont aspirés. Puis après, ils sont aspirés l'un après l'autre. Ils atterrissent dans un endroit assez horrifique, mais franchement, c'est un film que je vous conseille. Un film Scanner Scope, que j'ai toujours pas vu. Psychose 3, avec. Que j'ai toujours pas vu. Alligator 1 et 2, que j'ai vu, mais que je m'en rappelle plus. Le cirque des vampires, un film Mad Movies, que j'ai toujours pas vu. Un film cultissime, c'est L'Exorciste, le remake, que j'ai toujours pas vu. Un petit film d'action de 007 James Bond, c'est Le Monde ne suffit pas, que j'ai trouvé dans un cache, que j'ai toujours pas vu. Immortal. Ben, pour que je revoie, parce que j'ai complètement oublié. Le pacte. C'est un groupe de jeunes qui se transforment en vampires. Et durant la nuit, ils boivent du sang des humains. Voilà. Une saga cultissime. Maniac Cop, le premier. Maniac Cop, 2. Que j'ai vu, mais en fait ces deux ça parle c'est un tueur en série mais qui fait des meurtres mais assez gore. Là un DVD de deux films, c'est Cérémonie
Et là, c'est Virgile, la malédiction. Voilà, que j'ai toujours pas vu. Il, que j'ai toujours pas vu. Psychose, que j'ai toujours pas vu. Psychose 2, que j'ai toujours pas vu. Un film catastrophe, c'est Since King of Japan, que j'ai toujours pas vu. Secteur 4, un film de guerre que j'ai toujours pas vu. Mine, que j'ai toujours pas vu. Planète 51, que j'ai toujours pas vu. Un film de Bruce Lee, c'est Le Frelon Vert, que j'ai toujours pas vu. Je sais, il y a pas mal de films que j'ai pas vus, mais attends, en ce moment, moi, je suis sur TV, c'est que je suis en train de regarder une série, c'est Z Nation. C'est une série sur les vampires. Alors, Scooby, que j'ai toujours pas vu. Du coup, Scooby 3 que j'ai vu sur YouTube pendant le premier confinement, mais ce film, il est pas mal. Un film comédie, c'est Malabar. Toujours pas vu. L'enfant de la jungle. Toujours pas vu. Fédéral Protection. Toujours pas vu. Une comédie Girl Trip. Toujours pas vu. Un DVD de deux films. C'est Une blonde en or. Et y a-t-il un parrain pour sauver la mafia? Toujours pas vu. L'ami Africa, Lost in Africa, toujours pas vu. Christmas Snow, toujours pas vu. C'est un peu normal parce que c'est un film de Noël. Deux films catastrophes, c'est Cyclone et Submersion, toujours pas vu. Un film d'horreur, Elysium, toujours pas vu. J'ai trouvé dans un cache pour 99 centimes. Un bon film catastrophe, c'est Twister, que j'ai toujours pas vu, mais que j'en ai entendu beaucoup parler. Mais quand je l'ai vu dans mon cache, je l'ai pris direct. Chérie, fais-moi peur le film. Mais je l'ai pas vu parce que faut que je me chope la série. Gad Elmaleh, l'autre c'est moi. Toujours pas vu. Voisin contre voisin. Un bon petit film à regarder à Noël. Deux films sur les chiens, c'est Un Noël en or et Mon plus beau Noël. Deux films sur les chiens de Noël, toujours pas vu. Redress Section, toujours pas vu. Un film avec Nicolas Cage, c'est L'apprenti sorcier que j'ai toujours pas vu. Un film catastrophe, Turbulence 2, que j'ai toujours pas vu. Un film comédie sur les chiens, c'est Un chien à la Maison Blanche, que j'ai toujours pas vu. Un film d'horreur, Ghost House, toujours pas vu. Un film sur les chiens, Compagnons d'aventure, toujours pas vu. Danny Boone, sa barque, Hushti, toujours pas vu. Un film catastrophe, Air Panique. Toujours pas vu. Une série sépare le sous-scénariste de la trilogie de The Dark Knight. C'est Devin Shinks Démon, la saison 1. J'ai toujours pas vu. Une animation. C'est Les Gladiateurs du Rhum. J'ai toujours pas vu. Un film avec Tom Hanks. C'est Forrest Gump. Que j'ai vu à la télé. Hein, pas de besoin de vous le présenter. Hein, tout le monde connaît. Un film de Jimmy Fox, c'est Sleepless, que j'ai toujours pas vu. Un film de super-héros DC Comics, c'est The Dark Knight Rises, que j'ai toujours pas vu. Un film de Ridley Scott, de Russell Crowe, Gladiator, que j'ai toujours pas vu. Un film de Stephen King, Rose Red, en édition Digipack. Que j'ai toujours pas vu. Un film de Schwarzenegger Junior que j'ai toujours pas vu.
Un film d'un roman de Guillaume Musso. C'est d'après le roman de Guillaume Musso, c'est après que j'ai toujours pas vu. Un film Walt Disney de Tim Allen, et Martin Scorsese. C'est Super Noël, méga givré, Super Noël le 3. Un bon petit film à regarder pour Noël, mais faut que je me chope les deux premiers. Un film sur les chiens, c'est Un Toto à la rescousse, que j'ai toujours pas vu. De Disney, c'est Le Chihuahua de Beverly Hills, le premier, et le 2 que j'ai toujours pas vu. Berner, que j'ai toujours pas vu. Une comédie, c'est Cyber Dogs, plus qu'un toutou, un vrai génie, toujours pas vu. Une comédie Esprit de famille, que j'ai toujours pas vu. Un film de Bruce Willis, c'est Le Cinquième Élément, un film cultissime, ça. Pas de besoin, oui, pas de besoin de vous le présenter, hein. Tout le monde connaît et que moi j'ai pas vu. Air Bud, le premier, que j'ai toujours pas vu. Le fiancé de Réanimator, que j'ai toujours pas vu. Un film de Al Pacino, c'est L'Associé du Diable, que j'ai toujours pas vu. Dino King, que j'ai toujours pas vu. Un film avec Brad Pitt et Morgan Freeman, c'est Seven, que j'ai toujours pas vu. Captivity, ma mère et mon beau-père, ils l'ont en DVD, je l'ai vu. Mais en fait, c'est une jeune femme qui est en boîte de nuit. Mais quand elle sort de la boîte de nuit, ou je sais plus trop où, elle se fait kidnapper et elle essaye de survivre. Mais en fait, elle se rend compte mais qu'elle a pas été toute seule d'être kidnappée. Mais franchement, ce film, je vous le conseille. Mais je vous en dis pas plus, c'est ce qui va se passer. Une comédie, c'est SMS. En dessin animé, en version française, c'est Les Trois Mousquetaires, que j'ai toujours pas vu. Kong Skull Island, que j'ai toujours pas vu. Un film Disney, c'est Narnia chapitre 2, c'est Le Prince Caspian, que j'ai toujours pas vu. Un film de Vincent Vogt et de Ben Stiller, c'est Dodgeball, que j'ai toujours pas vu. Super Crocs, j'ai toujours pas vu. Un film de Steven Spielberg et de Robert Zemeckis. Et Zemeckis, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film cultissime que j'ai toujours pas vu. Un film de Jason Statham, c'est Rogue Ultime Affrontement, que j'ai toujours pas vu. Un film de Louis de Funès, c'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Ce film, je le voulais parce que mes ex-beaux-parents, ils me l'ont prêté. Je l'ai vu au moins 5 fois. Ce film, il est génial. Il est génialissime. Bon, ben voilà. Bon, ben c'est tout pour cette première partie de ma collection DVD Blu-ray. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des films que vous avez vus ou pas. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!